Apprendre à lire et à écrire, c'est le rôle de l'école primaire. Pourtant, 10 à 15% des enfants en 6e ne maîtrisent pas le langage. Pour Jack Lang, c'est dès la maternelle qu'il faut agir. L'accent doit être mis sur la pratique de l'oral. Au cours élémentaire, l'apprentissage de la lecture doit se poursuivre au-delà du CP. Mais il faut repérer très tôt les enfants en difficulté. Des évaluations auront lieu dès la maternelle. En CE2, CM1 et CM2, l'enseignement des sciences sera rénové, moins académique, davantage basé sur l'expérimentation. Certains enseignements sont renforcés, les langues vivantes deviennent une discipline à part entière dès le primaire, d'abord en CM2 à la rentrée prochaine, puis en CM1 à la suivante. En 2005, l'enseignement d'une langue vivante devra commencer en maternelle. L'éducation artistique sera développée, chaque école devra notamment définir un projet culturel et créer une chorale. Enfin, un effort sera fait sur les nouvelles technologies. D'ici fin 2001, toutes les écoles devront être connectées à Internet. En 2003, un brevet informatique Internet sera créé. Tous les élèves devront l'avoir passé avant de quitter l'école primaire.